Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Odyssey. Et avant d'aller plus loin, encore une fois, hein, je crois que je commence presque tous les épisodes comme ça, par vous dire merci. Oui, elle est un peu bizarre ma tenue, mais c'est parce que voilà, je sais pas, j'ai mis au hasard et Mario est devenu comme ça. Il est bizarre en fait Mario Doré. Mais parce que voilà, il y a des pièces violettes ici, vous m'avez dit ça dans les commentaires. Donc merci à vous. Ah ok d'accord, je savais pas trop comment les avoir, mais c'est tout simplement comme ça. Ok, et les dernières pièces violettes, alors là je peux pas me téléporter. Donc on va essayer de se poser, bien sûr de se poser, oui voilà, de ne pas tomber dans l'espèce de lave, poison, je ne sais quoi. Et donc les dernières pièces violettes, elles sont par là. Oh mince, en plus avant cette vidéo, j'étais allé voir où elles étaient. Parce que vous me l'avez dit dans la vidéo, j'ai oublié là. Ah si, je sais. Elles sont là, non, elles sont pas là, elles sont là je crois. Mais attendez, mais non, je suis pas du tout au bon endroit, ouais elles sont là-bas. Elles sont là-bas, dans le trou, et comme ça on aura eu toutes les pièces violettes de ce niveau. Donc ça fera, voilà, elles sont là, ça fera un niveau de plus, voilà, de terminer à 100%. Génial! Alors je sais pas ce qui me manque à acheter. Je pense pas que ce soit une tenue. Je crois que les tenues, bah non, les tenues je les ai toutes. Ouais, les tenues je les ai toutes. Ça j'en suis sûr. Ça me l'affiche quand on est dans la boutique qu'on a déjà toutes les tenues. Donc non, c'est pas une tenue, qu'est-ce que c'est alors? C'est quelque chose, voyons voir. Qu'est-ce que tu veux toi? J'ai été détaché ici par la boutique mère. Le développement dont ces petits gars font preuve est vrai. Ah bon, on l'avait déjà vu. C'est vraiment tout chiant. Hein. Ouais, d'accord, bien entendu. Bon, ah, mobile papillon, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Bah les amis, avant d'aller dans le niveau prochain, d'ailleurs je sais pas trop dans quel niveau on va y aller, mais avant d'aller dans le prochain niveau, on va aller faire un tour à l'intérieur de l'Odyssée, parce qu'à l'intérieur de l'Odyssée, bah, elle a quand même pas mal changé notre Odyssée. Enfin déjà, avant d'aller à l'intérieur de l'Odyssée, regardons quand même. Autour. Et notre Odyssée, elle s'est bien embellie. Hein. Attendez, on va pas tout à fait voir parce que, bien entendu, la caméra est pas ouf. Mais waouh! Notre Odyssée, elle s'est quand même sacrément embellie. On peut monter par la fenêtre. Ah, on peut pas rentrer par la fenêtre, d'accord. Ok. Non, mais on a presque tout en fait dans l'Odyssée. C'est dingue. Hein. Regardez, les amis. Je le savais, mais je vous le dis quand même, on peut rentrer dans l'Odyssée par là. Comme dans un tuyau de Mario, en fait, sauf que c'est une cheminée. Mais bon, pourquoi pas? C'est un peu le Père Noël Mario. Et là, waouh. Voilà, je pense qu'on a quand même presque la... Il est où, Mario? Ah, d'accord, ok. On a presque la totalité des choses, non? Avec la lune et tout au milieu. La lune, on peut pas la toucher. Pas la faire tourner plus vite ou je ne sais quoi. Bon, non, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, waouh, c'est grave stylé. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Je suis satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Hein. On arrive à la fin du jeu et c'est assez dingue en fait. Waouh. J'ai pas envie de le laisser le jeu. Bon après j'espère qu'à l'E3 il va y avoir des DLC pour le jeu parce que j'ai pas envie de l'abandonner le jeu. Il est tellement bien que voilà, je veux pas le laisser. Alors, le royaume champignon, il reste beaucoup de lunes. Mais c'est pas la peine parce que la plupart des lunes déjà ça doit être des... Comment on dit des archivantes là en parlant à Toadette et donc ça on ira voir à la fin. Là au pays des chapeaux vous m'avez dit qu'il y avait sûrement des pièces à l'intérieur. Faudra que j'aille voir ça. Je peux aller jeter un coup d'œil maintenant hein. Oh, allez je vais aller jeter un coup d'œil maintenant. La raison pour laquelle j'y suis jamais rentré dans ce truc, c'est parce qu'en fait quand on y est allé la première fois, il y avait rien dedans. Enfin, il y avait la suite hein, mais il y avait rien d'ultra intéressant. Et en fait c'est vrai que les pièces violettes peuvent apparaître au fur et à mesure du jeu. Enfin après avoir battu le boss. Donc c'est possible qu'il y ait des pièces violettes dans le coin. On n'était jamais allé jeter un œil, donc allons-y. Alors, ça, ouais, bon, bon je m'en moque des pièces. C'est bon, Kerbendo, abuse pas. T'as vu le nombre de pièces que t'as? Ça sert strictement à rien, Kerbendo, t'abuses. Allons voir là-haut. Ah bah voilà, là déjà, il y a l'air d'en avoir. Il y a l'air d'en avoir pas mal, non? Il y en a 4. Ouais, allez, turbo. Ok, bah merci à vous hein, dans les commentaires encore une fois parce que j'aurais jamais pensé à revenir là de moi-même. Surtout qu'en plus j'ai eu toutes les lunes. Donc comme j'ai eu toutes les lunes, j'aurais jamais imaginé revenir ici. 45, donc il nous en manque 5. Bah, voyons voir, hein, elles sont peut-être là-haut les 5 autres. Ce serait cool quand même. Parce que le pays des chapeaux quand même, pour moi on l'a beaucoup fouillé. Hein. À l'extérieur, pour moi il reste aucun endroit à l'extérieur où on n'est pas allé. Donc si... Ah voilà, bah c'est ça 5. What? Mais c'est génial. Et donc on vient de finir 2 niveaux de plus à 100%. Enfin, on triche un peu hein, parce qu'ils étaient presque finis à 100% hein. Mais on vient de les finir à 100% ensemble. Merci à vous les amis, ça fait super plaisir.
Bon, alors, bonjour, et voilà la petite tour de Haudebourg. Merci tout plein. Et alors, ça nous fait combien de niveaux finis à 100%? Parce que c'est une bonne question, non? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu cette musique, elle sort tout. Quoi? Il y a une autre... D'ailleurs, c'est pas une musique, c'est une chanson. Il y a une autre chanson dans le jeu, je croyais qu'il y en avait qu'une seule, qu'il y avait celle de Pauline. Il y en a une autre, ok. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est peut-être aussi Pauline qui chante. Donc voyons voir ça, on a fini à 100%. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Attendez, attendez, on va plutôt compter les niveaux qu'on n'a pas fini à 100%. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Il n'y a que 5 niveaux qu'on n'a pas fini à 100%, les amis, mais... Ah là là là, c'est génial. Alors ça, par contre, ça va être vraiment la galère. Parce que là, trouver les 9 dernières pièces violettes, ça va être compliqué. Bon, bah alors on retourne au pays de la forêt, hein. Je pense qu'on va retourner au pays de la forêt. Ah mince, j'ai quitté le truc. On va retourner au pays de la forêt parce que là, dans tous les cas, ouais, j'ai rien d'autre à vous proposer que de terminer les niveaux qu'on n'a pas encore terminés. Quoi qu'on peut aller au royaume champignon. Ouais, on va finir un petit peu le royaume champignon parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc j'ai envie d'y aller. Et puis en plus, il n'y a pas que les lunes de Toadette. Il y a les lunes de Toadette, bien entendu, qui nous manquent, mais il n'y a pas qu'elles. Donc on va s'occuper un peu de ce qu'on peut. Voyons voir ça. Et on en a combien à l'Odyssée de Lune? 966, c'est ça, non? Attendez, comment je fais pour voir ça? Parce que là, l'Odyssée est tellement grande que... C'est pas facile de voir combien de lunes... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! 966, c'est ça. Bon. Il est où, là, notre Toad? Alors là, je ne vous demande pas dans les commentaires de la vidéo de me mettre... De me dire si vous voyez des pièces violettes, parce que là, j'ai eu toutes les pièces violettes, donc ça ne servira à rien. Bon. Allez, on achète un petit indice. Alors surtout, tu ne donnes pas les indices de Toadette quand même, hein. Ce serait un peu abusé. Hein. Voilà, continue. On va les faire 5 par 5. Vas-y. Ah, hein? Quoi? Je me souviens qu'il y a un lapin là-bas, mais on l'a pas eu, le lapin de là-bas? Ah, ça va être monsieur, j'ai perdu mon copain, c'est ça? Mon copain, il s'est caché sur la tête de quelqu'un et... Là, ça va être ça, j'en suis sûr. Là il y a une tour je crois. Une tour dans laquelle on est peut-être pas allé. On verra ça hein. Oui j'achète un indice, ok. Donc là, oh, on peut... Ah bah non, ah bah oui, mais si tu commences à me donner les indices de Toadette, ça va pas le faire. On va t'en racheter un dernier, c'est le sixième. Ouais. Ah bah oui, ok d'accord. Il nous donne les indices de Toadette. Donc les indices de Toadette, on s'en moque un peu. Voyons voir là. Bah. Quoi? Ah, c'est le chien, non? Ah oui, d'accord, ça va être le toutou. Salut, toutou! Ouais, c'est ça. Toutou, tu trouves un truc, là? Ah bah, ok. Toutou, je l'ai même pas sollicité, qu'il a déjà commencé à trouver un truc. Est-ce que ça va être la lune? J'espère. Ok, c'est pas la lune. Bon, toutou, tu joues pas, hein, tu vas chercher la lune. Ouais, c'est bien lui. Allez, toutou, on va voir par là. Y'a un truc par là ou pas? Bon, toutou, au travail, hein! Moi, j'ai récupéré toutes les lunes du jeu. Tu peux en récupérer quelques-unes quand même! Attendez, Toutou il trouve rien là? Je dois ralentir ou pas? Pour qu'il trouve des trucs. Et hey, Toutou, t'es sérieux? Et attendez, Toutou il peut me suivre à l'infini? Ouais, bon, ça ne sert à rien, mais. Toutou! Toutou! Viens ici! Allez, bon chien! Non mais il trouve rien du tout? Il est sérieux, tu apprends à remuer, d'accord. Là, Toutou, y'a pas un truc? Ah, 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 y'a un truc. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, d'ailleurs? Dans la grotte, là-bas, il y a un de ces fruits que Yoshi adore. Ah bon, j'étais pas au courant. Allez, voyons voir. Ok, bon. C'est bien aussi, mais... C'est pas comme si j'en avais 20, maintenant. Toutou. Toutou me dit pas qu'il y a rien par ici. Allez. Bon chien. Non mais il va jamais rien trouver, c'est une blague ou quoi? Dans le parterre de fleurs. Ça, ce serait une référence à Super Mario 64. Parce que dans le premier niveau de Super Mario 64, il y avait une téléportation comme ça. Ah! D'accord. Merci, Toutou.
Ah, je vais abandonner Toutou, hein, parce que là, ça commence à bien faire quand même. On aura fait le tour de tout le truc et t'auras rien trouvé. Ah, bah voilà, enfin, merci. Trouvé par Toutou au château. J'espère que c'était la dernière lune de Toutou, parce que Toutou, je l'aime bien, mais bon, quand même, à un moment, faut pas abuser. Hein. Ouais, donc là-bas, moi, je suis sûr que ça doit être dans la tour, non? Si c'est pas dans la tour, je me demande où c'est. Ouais, mais la tour, j'y suis déjà allé, non? On n'y est pas déjà allé? Voyons voir. Ah non, c'est pas la tour. C'est sous l'eau. C'est là-dedans. Ok, d'accord, oui, bon, mais Hein? C'est juste là? Oh, il y a une graine! Ah, je l'avais pas vue! Ah, j'étais pas du tout con qu'il y avait une graine ici! Ah, j'ai dû la voir en passant un moment parce que ça me dit quelque chose en fait. J'ai dû la voir en passant dans une vidéo, puis je me suis dit que je la ferais plus tard. Et en fait, bah, le plus tard ne s'est jamais concrétisé vu que j'ai complètement oublié. Donc les graines, c'est au jardin qu'il faut les mettre, non? Il me semble que c'est au jardin qu'il faut les mettre. Donc allons-y. Oh, le flonflon, il s'amuse. Allez, vas-y Mario, d'une aire. Et ouais, mais bon, il va falloir attendre que la graine elle éclose encore. Oh là 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 là. Bon bah, on va la planter. Et puis, on reviendra peut-être à la fin de la vidéo, j'en sais rien, ça se trouve, ce sera même pas suffisant. Parce qu'en fait, les graines, elles peuvent mettre 10 minutes comme une heure à éclore, quoi. Donc, c'est vraiment complètement du hasard. Eh, hey, mais il y a plein de... Il y a plein de lunes là-dedans. Que j'ai jamais récupérées. Sérieusement? Bah, c'est ça, en fait, qui nous affichait sur la map. C'est pas les lapins. Parce que les lapins, je les ai déjà eus. Enfin... Peut-être pas tous, mais quand même, je pense que je les ai déjà eu, le lapin. La graine du pré a fleuri. Ah. Ah bah oui, voilà. Donc c'est la graine qu'on est en train de faire. Et donc après ça, il reste les lunes de Toadette. Donc Toadette, allons voir ce qu'elle nous donne. Il y en a quand même quelques-unes qu'elle peut nous donner, je pense. Puis on va lire aussi l'intitulé des lunes suivantes. Puis après, on va partir d'ici, parce que dans tous les cas, on aura fait la plupart des choses, en fait, ici. Voyons voir. Toadette, salut! Félicitations Mario, tu as réussi un nouveau challenge! Il s'agit de celui-ci, Seigneur de la Lune! Qu'est-ce que ça fait, Seigneur de la Lune? Qu'est-ce que... Bah, comment je l'ai débloqué? C'est pas très explicite quand même les trucs, hein? Attends, oui j'ai réussi, super chasseur de coffres au trésor. C'est peut-être que j'ai ouvert tous les coffres au trésor du jeu? On ne saura jamais. On ne saura jamais. Ensuite, avec Peach autour du monde. Ah, ça, c'est parce que j'ai trouvé toutes les Peaches. Ah, d'ailleurs, il y a une Peach ici qu'il faut que j'aille voir. On va aller voir ça. Attends, tu as réussi un autre challenge, celui-là, Maître Berger. Mais ça, c'est parce que j'ai récupéré tous les moutons du jeu aussi. Ah, j'imagine. Ça me paraît logique. Attends, tu as réussi Vénérable Horticulteur. J'ai planté toutes les graines? Ouais, je viens peut-être de le faire, en fait. C'est possible. C'est possible. Et maintenant, attrapeur de la pichou. Et j'ai attrapé tous les lapins. Ah là là, ça me fait un pincement au cœur de faire tout ça parce que c'est là que je me dis que c'est vraiment bientôt fini en fait. Professeur de charge au sol. J'ai fait 1000 charges au sol. Sérieusement, il y avait un défi comme ça. Chapeauteur de génie. J'ai récupéré tous les chapeaux. Ah, j'ai chapimorphosé! J'ai chapimorphosé tous les trucs du jeu. Ça doit être ça. Tenue parfaitement assortie. Là, ça par contre, c'est que j'ai eu toutes les tenues. Je pense. Ou alors j'ai porté toutes les tenues assorties. Cache-cache avec les chapiformes. Cache-cache avec les chapiformes. C'est quoi déjà les chapiformes? Ah oui, si, j'ai retrouvé tous les chapiformes. Très bien. Mélomane. J'ai découvert toutes les musiques du jeu, certainement. On essaye de deviner ça ensemble, hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. passionné de la chasse au trésor. Pareil, les coffres au trésor, peut-être. Star de course Koopa. Ouais, je pense que les courses Koopa aussi, c'est bien tout terminé. Oh là 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 là, mais non, on va quand même pas arriver à... Attends, marcheur génialement agile, ok. On va quand même pas arriver à 999 lunes dans cet épisode. Ah, si on n'y arrive pas, en tout cas, on sera pas loin. Roi du quiz. Eh bah oui, tous les quiz du Sphinx. Ok, merci. Oui. Collectionneur de souvenirs, parce qu'on a eu tous les souvenirs. Donc alors, ce qui doit nous manquer, ça doit être les autocollants. Il doit nous manquer les autocollants. Maître en chapimorphose. Ah bah c'est ça les chapimorphoses. Alors c'était quoi l'autre truc?
Chapeau, bah c'était tous les chapeaux, je pense, tout bêtement. Icône du mode de mode des chapeaux. Non mais attendez, c'est une blague là. Est-ce qu'il nous manque combien de lunes? 34? Est-ce qu'on va avoir 34 lunes? Oh, j'y crois moyen quand même. Ça, oui, libérateur de roche lunaire, je suis surpris de pas l'avoir eu plus tôt, mais bon, si tu veux. Maître de la téléportation! J'ai dû avoir tous les tableaux! Mais c'est chaud là! Ah, Mario, tu es fantastique! Tu as relevé et réussi tous les challenges! Le dernier qu'il restait était grand lanceur de capi. Cette lune que je te donne est donc la dernière. Chapeau l'artiste! Oh mon dieu! La dernière lune de Toadette. Ah, c'est stylé! On peut plus te parler? Un véritable maître S challenge! On peut plus lui parler pour avoir la liste? En même temps, vous allez me dire, ça sert à rien d'avoir la liste si on a déjà tout réussi, mais bon, quand même, ça m'aura amusé. Mario le roi. Et elle est où, Peach? Parce que faut la trouver, Peach. Elle est quelque part par là. La princesse Peach est sur le balcon. D'accord, allons la voir. Bon, alors, non. Je ne pense pas qu'on aura les 999 lunes dans cet épisode. Mais à mon avis, les amis, dans le prochain épisode, c'est bon. On les aura. En tout cas, n'hésitez pas à me souhaiter bonne chance dans les commentaires. Mais je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera dans le prochain épisode. Après, ça dépend parce que les lunes qui me restent, c'est des lunes qui sont pas forcément... elles sont pas difficiles, je pense, à avoir. Elles sont plutôt difficiles à trouver. Voilà. Mais on va y arriver quand même. Ça, on peut... Ah, une pièce. Ok, très bien, merci. Voilà, la princesse Peach. Mon voyage avec Kara était absolument merveilleux. J'en ai des souvenirs plein la tête. Et puis, j'ai compris quelque chose. J'ai compris combien il est précieux de découvrir des horizons inconnus et de rencontrer des gens différents. Et bien voilà, moi je suis comme Princesse Peach, je suis Princesse Kirbendo, et c'est pour ça que je suis partie aussi voyager en Asie. J'ai voulu faire comme elle, sauf que moi je suis pas revenue dans mon château. Parce que j'ai pas de château en France. Enfin, pas à ma connaissance. J'ai aussi remarqué que partout dans le monde, les gens ont la même lueur dans le regard quand ils sourient. Bah oui, hein, les gens sont tous des gens. Hein. Maintenant, bah, c'est pourquoi? Elle était un peu raciste, Peach. Bon, maintenant, elle l'est plus, mais elle était un peu raciste avant, c'est ça? Maintenant, j'ai envie de voir fleurir des sourires sur le plus beau des visages possibles. Du coup, j'ai invité des gens du monde entier au château. Ce voyage avec Peach était vraiment merveilleux. J'ai un petit souvenir du voyage pour toi. Tu sais ce que c'est? Eh oui, une lune, fais-en bon usage. Merci Peach. Oh, elle est mignonne Peach. Merci. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Et vous deux, Mario et Capi? Il n'y avait pas de et. Bon, Mario et Capi, vous continuez votre odyssée? Je vous souhaite plein de belles choses. Merci à toi. Et bah vous aussi les amis, si vous partez en voyage, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, nous les amis, on va aller placer toutes nos lunes dans l'odyssée. Et on va peut-être continuer... mince, ok, j'ai eu peur. Et on va continuer un autre niveau, parce que je suis sûr que de toute façon, la lune là de la graine, on l'aura pas. Hein. On l'aura pas dans cette vidéo. On reviendra de toute façon dans ce niveau, et on les découvrira, on l'aura à ce moment. 991! Il reste 8 lunes à avoir! Oh là 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 là, les amis, 8 lunes! 8 lunes, c'est rien du tout! C'est rien du tout, du tout. Ok, là il reste... Bah écoutez, on va retourner au pays de la mer, hein. Non! Non, j'ai mis le côté très obscur! Non, je veux aller au pays de la mer! Ah, je croyais qu'on restait sur le menu sur lequel on était! En route, j'avais une petite larme à l'œil parce que je me disais que le jeu était bientôt fini, puis après je me suis souvenu que, bah en fait, il me restait l'épreuve de la corde à sauter à faire, donc en fait, non, le jeu n'est pas tout à fait terminé. Parce que je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Bon, vas-y, on achète tes derniers indices parce que là, il y a 4 lunes à récupérer, puis je pense que ces 4 lunes, on peut les avoir dans cette vidéo. Ça dépend, hein, ça dépend, je vous promets rien, parce que ce sera peut-être un petit peu chaud quand même. On va voir ça. Je sais pas du tout comment on peut les avoir ces lunes. Il y en a bien 5, hein. Il me semble qu'il y en avait 5. Donc vas-y, l'autre indice. Et puis là, on va t'acheter le dernier indice. Allez, allez. Vas-y. Où se trouve-t-il? D'accord, ça n'a pourtant pas l'air difficile. Et si on lui reparle, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je ne trouve plus d'indice, d'accord. Bon, Ah, il y a quand même l'embarras du choix, hein.
On va aller voir ça. Mais par contre, elles sont toutes dispersées, les lunes. Là, genre, j'ai loupé aucune lune côte à côte. Elles sont toutes à des coins, genre, à l'opposé l'une de l'autre. Mais ça va être des lunes toutes bêtes, en fait. Je pense que ça va être des charges au sol à réaliser quelque part ou des trucs comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit des trucs vraiment... vraiment chauds, quoi. On peut aller en bas? C'est peut-être en dessous, non? Parce que là, ça me paraît bizarre, quand même. Une lune sur la plage... C'est peut-être lui. Ne me touche pas. Ouais, vas-y, toi, attends. Attends, parce que tu lui fais peur. Oh! Allez, on s'en va. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Paraît que le lézard en haut du phare serait capable de planer jusqu'ici. T'imagines un peu le frisson? J'aimerais bien voir ça. Vous êtes sérieux? Le lézard qu'il y a en haut? Mais attendez, mais c'est nul. C'est nul comme épreuve. Parce que c'est carrément pas dur en fait. Enfin, je sais pas, il veut voir le planodon. Enfin, il aurait pu se mettre dans un coin un peu plus difficile d'accès. Là, c'est genre vraiment la facilité quand même. Hein. Bon, allons chercher quand même le planodon. Mais attendez, il est pas là le planodon? Ah, il est là-bas. Ah, je me suis trompé. Ok, je me suis trompé. Le planodon, il est là-bas. Et d'ailleurs, il y a une lune aussi dans le coin. Donc, on va voir ça en même temps. Ok. L'une des transformations que je trouve quand même les plus inutiles dans le jeu, finalement, c'est le ship-ship. Je l'aime bien, hein, c'est mignon, mais en fait, le ship-ship, il est un petit peu inutile. Je trouve qu'il sert vraiment pas à grand-chose. Et en plus, il n'y a aucune lune où on a vraiment besoin du ship-ship pour l'avoir, quoi, il me semble. Enfin, où il y en a très peu, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage, je trouve. What? Là-dedans? Je suis pas allé là-dedans. Ah, j'y suis sûrement déjà allé. Mais j'ai dû louper une lune, en fait, tout bêtement. Quoi? Eh ben, je dis ça, et là, il va y avoir une lune où on est obligé d'avoir le ship-ship pour l'avoir. Enfin, on n'est pas obligé, mais c'est plus simple, en fait. C'est ça, en fait, le ship-ship. T'es jamais obligé d'avoir le ship-ship pour aller chercher une lune, d'après ce que je vois. Mais c'est toujours plus simple, en fait, avec le ship-ship. Oh là là, non, 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 non! Ah! Arrêtez, laissez-moi... Ça brille, là, non? Ça brille ou pas? Peut-être pas, hein. Non, ça brille pas. Enfin... Ah! Oh là 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 là! Non! Mon dieu, non, 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 laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille! C'est une horreur, c'est une horreur! Ah! Mais on n'est jamais à l'abri! On n'est jamais à l'abri! Mais je suis déjà venu ici! En fait, c'est qu'il y a une lune secrète, c'est ça? Je suis déjà venu et il y a une lune secrète quelque part. Parce que là... what? Là, y'a rien, surtout, en fait. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a rien. Hein. Ah, mais il y a une lune secrète quelque part. Bon, faut faire demi-tour. Ah, là, voilà. D'accord, ok. Donc, en faisant demi-tour, j'ai finalement trouvé la lune qui était dans une espèce de fenêtre au détour d'un couloir obscur. Elle est beau... Elle est très facile à voir, en fait, quand on fait marche arrière. Mais quand on fait le chemin en sens normal, ben là, elle est un petit peu plus compliquée. Bon, en tout cas, on va aller voir Monsieur le Planodon, puis on va l'amener à notre pod. Hé, Planodon! Il y a notre pod qui veut te voir! Notre pod. Et là, ouais, il manque aucune lune, donc allons-y. Ben, j'ai même pas besoin de secouer la manette pour y aller. Hein. Ça, c'est tout simple. C'est tout bête. Salut! Ouh! Incroyable! Se lancer dans les airs du haut du phare pour venir planer jusqu'ici, alors là, je dis chapeau! Je suis tellement bluffé que j'en ai le cœur qui fait des bonds! Tiens, laisse-moi te donner un petit quelque chose. Ouais, bah oui, heureusement que tu me donnes un petit quelque chose, hein, quand même. Mais j'ai fait des sauts beaucoup plus compliqués que ça avec le planodon. Hein. Ça, c'était d'une simplicité assez exemplaire. Alors, là, il y a un truc là-bas. On va y aller avec lui. Oui, ok, super. Bon. Donc on va voir par là-bas, parce que comme je dis, il est censé avoir une lune qui est tout aux confins là du monde. Une attaque rodéo là-dessus. Ah, c'est pas une attaque rodéo qui vole. Ah si. Une attaque rodéo là. Quoi? C'est là, hein. Et c'est pas une attaque rodéo qui vole? Qu'est-ce que... Ah, faut faire des... Attendez. Ok, d'accord. Faut trouver lequel c'est ça? Ou alors faut peut-être les tuer, j'en sais rien. Allez.
Vas-y. Non, 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 non. Ok, j'ai pas réussi à le tuer. Ah, c'est bon, il revient. Mais attendez, mais il revient à l'infini ou quoi? J'ai l'impression. Voilà. Ah, faut les tuer. C'est ça, faut les tuer. Bon, c'est pas compliqué de les tuer. On remonte quand même à la surface parce que j'aurais pas assez d'air. Mais attendez, mais il y a un souci là parce que ils apparaissent vraiment à l'infini, non? Ils ressemblent aux espèces de zombies. Bah oui, mais je dois peut-être en tuer un certain nombre en fait, comme les zombies. Ah non, maintenant je dois faire une attaque rodée au centre, c'est ça? D'accord. L'objectif n'était pas très clair. On y est arrivé, mais je dois bien avouer que l'objectif n'était pas très très clair. Fallait faire des attaques rodéo sur les trois trucs, ensuite faire des attaques rodéo au milieu. Enfin, faire une attaque rodéo au milieu. D'accord, mais bon, c'était pas extrêmement clair dit comme ça. Bon, bon, bon. Maintenant, on va prendre peut-être un truc pour aller plus vite. Et on va... ouais, ouais, on va prendre lui. Et on va essayer d'aller bah, de l'autre côté, parce que c'est bien de l'autre côté. Ok, super. C'est là-bas. Allez, c'est en ligne droite par là-bas. Allons-y. Et par contre, ça va être pareil, hein, dans l'eau, c'est vraiment une attaque doit faire quelque part. Ou peut-être ça, non? Non, ça c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, au revoir. Là-dedans. Ça m'a bien l'air d'être là-dedans, d'une manière ou d'une autre. C'est là? Non, c'est pas là. Mais c'est tout près, c'est là en fait. Enfin, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas là. Bon, vous partez. Quoi? C'est à la surface? C'est ici? Ah bah voilà, d'accord, très bien. Je l'ai eu avec une attaque rodéo ou en tuant l'algue? Je ne sais pas. Décidément, rien ne t'échappe. Merci, Capi. Merci. Enfin, c'est pas totalement grâce à moi. Hein. Je dois avouer que j'ai un petit peu triché, mais bon. J'ai un petit peu eu les indices, mais sans les indices, c'est ultra chaud, quoi. Franchement, la plupart des lunes, on peut les trouver sans indices, mais sans les indices, c'est quand même super chaud. Après, je dis pas que c'est impossible, impossible, hein, bien entendu, mais voilà, il y a quand même des cachettes qui sont extrêmement, extrêmement bien faites, quoi. Alors, c'est dans le coin. Je sais pas si j'ai besoin de lui, hein, ça se trouve, non. Parce que c'est là, non? Quoi? Ah, c'est en dessous, alors. Attendez, je l'ai fait, cet indice, ou pas? Ah non, c'est ça. C'est ça, la dernière lune. Vous m'avez dit qu'elle était à New Donk City, enfin, au pays des gratte-ciels. Donc juste avant de se quitter, je vais aller y faire un tour. Ah bah voilà, ok. Je me disais que ça devait être un truc écrit sur le sol, donc j'étais en train, avec la caméra sur le dessus, de regarder un peu partout. Et en fait, bah voilà, il y a Keep ici. Donc normalement, c'est censé être juste là. Hein. Et bah voilà, super. Avec l'indice du pays de la mer, et donc on a une lune de plus. Forcément, hein, voilà, comme je suis fier du nombre de lunes que j'ai, je vais aller vous montrer ce chiffre tout de suite. Donc on va aller placer cette lune, puis après on va en rester là. Et là, il manque aussi des pièces violettes sur ce niveau. Pas beaucoup, je pense, mais il me reste aussi des lunes. De toute façon, on va le refaire ce niveau. On va être bien obligé. Allez! Et c'est la 996e lune! Plus que 3 lunes, et on est à 999. Oh, on sera pas fini, hein. Je vais pas m'arrêter dès qu'on est à 999, bien entendu. Je vais m'arrêter quand on aura toutes les lunes du jeu, mais ce sera déjà quand même une sacrée victoire. Eh bien, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Super Mario Odyssey. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, les amis. Salut! Go off the rails, don't you know it's time to raise our sails.